Il y en a un qui se déplace, vous le voyez, derrière. Tu les vois là-bas? Non, ça, là-bas, c'est méchant. Là, regarde là. Là, devant. Une balançoire, regarde. Tiens-toi, hein, tiens-toi, hein. Les deux mains. Oups là. Regarde-moi, fais bien. Allez, vas-y. And none has caught me yet. I am everywhere. Acheter leur lait. Moi j'avais envie d'argent pour m'acheter un bébé girafe. Parce que j'adore les bébés. Il va
yet untouchable. C'est un herbivore, elle recherche surtout les branches, les feuilles et les écorces d'arbres. Dans la graisse, bah oui, vous avez la même feuille que moi. C'est bien. Ça fait de la lecture en même temps. Les bisons, regardez. C'est quoi? Ah, ça va être un petit peu plus loin. Alors le wallaby, il est plus petit. Regardez comment il se déplace. Regardez comment il se déplace. Donc. Everywhere and nowhere 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 and nowhere. Quatre représentants de l'espèce des grands dauphins vont nous guider tout au long de cette fabuleuse découverte. Mais laissez-nous vous les présenter. Alors, sur la droite, nous avons Amtan, notre femelle âgée de 10 ans, qui est accompagnée de Sessol, notre grand mâle de 27 ans.
Sur la gauche, nous avons nos deux mâles, Péos et Milinos. Péos âgé de 12 ans et Milinos âgé de 7 ans. On peut les accueillir chaleureusement. Les dauphins ont de tout. Bravo, c'est sol. Peu à peu, la main va remplacer la cible. Et enfin, le geste seul permettra au dauphin de comprendre ce que l'on attend de lui. Les poissons. Alors pour la démonstration, faites attention à ne pas prendre les ballons sur la tête. C'est un champion, c'est ça. La pêche est alors plus fructueuse pour les hommes et les poissons plus faciles à attraper pour les dauphins. Les dauphins se nourrissent de calamars, de méduses et surtout de poissons qu'ils chassent grâce à leur formidable adaptation au milieu marin. Ce sont de puissants nageurs capables de poursuivre une proie à plus de 30 km/h. Et oui, Julien qui essaye de courir aussi vite que les dauphins, c'est pas évident. On peut les applaudir bien fort. En plus, il est bien. Tu vas bien manger, Sophie.
Thank you.